بونجور تو الموند جيسبر كو فوزالي بيان اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا امتحان الموحد المحلي ديال الفيزياء والكيمياء بطبيعه الحال هذا النموذج الثاني اللي كنشارك معاكم باش يكون عندكم دونك بلوس دو شونس ويكون حتى يعني تراجعوا بطريقه افضل الوغ بالنسبه للاكزرسيس الاول على 8 ديال النقط عندنا دي كيستيون اللي هما ديريكت عندنا دي تابلو كومبليتي دونك دي بروبوزيسيون دونك ايدنتيفي دونك سي لي فري او بيان فوس الوغ غادي نبداو بالسؤال الاول كومبليتي لي فراس سيديسيو ان يوتيليزون لي مو سويفون دونك هنا لي زيون ريسبونسابل دو لاسيديتي sont H+. H+, c'est qui donne l'acidité de la solution. Tandis que celles qui sont responsables de la basicité, donc la basicité sont H-. Donc, H-. Les matières organiques sont constituées essentiellement des atomes de carbone. Donc, si on a carbone. Et d'atomes d'hydrogène. Hydrogène. L'ion provient d'un seul atome et appelé ion monoatomique. 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 Donc, radine chauffe-sous altani classé les mots suivants selon le tableau ci-dessus. Donc, adna 10 corps. Radine haoulo annana chauffe les corps, on chauffe les matériaux. Les matériaux, les organiques ou les matériaux, les déjà au moins, donc ce sont de sous forme de métaux. Alors, tricot, ah, d'accord, tricot, corps, le fer, mais les métaux, fer, voiture, corps, le plomb, donc métaux, plomb, le plastique, mais les matériaux, ou l'organique, plastique. Crayon, c'est un corps. Crayon, c'est un corps. Bois, donc le bois, c'est un matériau organique. Bois. Papier cartonné, donc organique. Papier cartonné. Maintenant, l'or, donc d'heb, les métaux. Ou on a le PVC. Le PVC, mais les matériaux organiques. Donc, on a le PVC. On trouve ce sur Altelt. Répondez par vrai ou faux. Donc, un anion porte une charge positive. Faux. Donc, il y a un faux rata. Le PE flotte dans le douce. Vrai. Vrai. Lorsqu'on dilue une solution acide, son pH diminue. Faux. Le pH de la catégorie. Donc, faux. Complétez le tableau ci-dessous en déterminant la nature de la solution. Donc, il y a le pH. Un pH à 10, donc nature basique. Basique. 2 acide. 4,5 acide. 7 neutre. Neutre. 9 basique. داشونوس بازيك غندوزو دابا ليكزارسيس تاني دونك بالنسبه ليكزارسيس تاني عندنا الالومنيوم اي لان دي ميتو دونك لي بلو يوتيليزي دون لوبالاج اي دون لاندستري بيان سور ديتيرميني لو نيميرو اتوميك دونك زد دالومنيوم ساشون كو سون نويو بورت اون شارج بوزيتيف و عندنا الكونتيتي ديال دونك لا شارج عندنا plus 20,8 fois 10 à la puissance moins 19. Donc, on va dire le tatbiq al-adadi. Alors, on va dire le tatbiq al-adadi. Donc, la charge de noyau de l'atome de l'aluminium est... Donc, on va dire le... Zahid 20, facile 8, facile 19. Donc, had 20, hadi, quand on va dire le tatbiq al-adadi, 1 facile 6, facile 19. Qu'est-ce que ça زائد 13 E. Alors, on sait que la quantité y a plus, on a une charge positive, donc plus Z2, donc on a une E. Alors, le numéro atomique de l'aluminium est 13, donc 13. Donc voilà, on a une plus. On a une E, il y a dit, on a donc 13.
Déduisez, donc سؤال تاني, déduisez la charge électrique des électrons d'atomes d'aluminium. Donc la charge électrique des électrons, bien sûr, kandiro moins Z2, il y a moins 13E, donc est égal à moins 20,8 fois 10 à la puissance, donc on a dit les électrons, donc fois 10 à la puissance moins 19 coulomb. Alors voilà, d'abord on dit deux choses sur L, tani. Ou la thalit, je pense, donc sur la thalit. Sachant que l'atome d'aluminium perd 3 électrons pour se transformer en néon d'aluminium. Et l'atome, quand il y a les électrons, donc donner le symbole de l'ion d'aluminium, donc qui est lié au Al3. Donc l'Al3+, pardon, donc l'Al3+. Calculer en coulomb, donc la charge des électrons de l'ion d'aluminium, on donne. La charge d'électrons est 1.7 × 10⁻¹⁹. Donc, on va dire donc comme jawab mubasharatan. Donc, la quantité de la charge des électrons, donc il y a moins 10, on a le nombre des électrons de l'ion, هو اللي بقى هو 10 لان فقدت 3. حنا شفنا بانه كانت عندنا الزيد هو 13 وشفنا بانها فقدت دونك 3 ديال لي الكترون, دونك بقى عندنا 10. Alors, ناقص 10 E, هي ناقص 10 في 1.6 في 10 أس ناقص 19, هي ناقص 16 مضروبة في 10 أس ناقص 19 C. Déterminer en coulomb, toujours, donc le coulomb, la charge de l'ion d'aluminium en donne, donc E est égal à 1,6 x 10 à la puissance moins, 10, moins 19. Donc, هنا عندنا فقدات 3, هنا عندنا donc la charge ولات plus, donc plus 3 E. Donc 3 fois 1,6 à la puissance fois 10 à la puissance moins 19. Quand on a 4.8, donc on a positif. 4.8 fois 10 à la puissance moins 19. Coulomb. Donc au contact avec l'air humide. Donc on a l'oxydation de l'aluminium. L'aluminium s'oxyde et forme une couche fine appelée l'alumine. C'est-à-dire que l'alumine est la couche qui est non poreuse. Mais c'est la roue de le fer. Donnez la formule chimique de l'alumine, donc il y a Al2O3. Écrivez l'équation chimique, donc Ordolbel, on dira le moins le moins donc on a l'Al plus l'O2 est égal à Al2O3. Donc on a 3 on a 2 donc 4, باش تكون 4 جوج في جوج 4 و 3 في جوج 6 3 في جوج 6. Donc il y a dit l'équation. Proposer une technique pour protéger l'aluminium. Donc, on peut le conserver dans un milieu sec ou bien on peut le protéger donc, par une couche appliquée à la couche imperméable à l'air, donc ou le vernis, bien sûr, mais qui couche le contact avec l'air humide. Alors, d'abord, on va faire l'exercice numéro 3. Donc, voilà l'exercice numéro 3. Donc, on a le sulfate de fer. Donc, dans les commerces, présent sous forme d'une poudre verte. Il est utilisé pour traiter les gazons. Après avoir ouvert un paquet neuf, Salim dissout un peu de poudre dans l'eau. Il prélève une partie de solution et ajoute quelques gouttes de soude, l'hydroxyde de sodium. Il observe un précipité. Bien sûr. Donc, quelle est la couleur du précipité observé par Salim ainsi que sa formule? Donc, la couleur lihoua verte, une couleur verte. La formule de précipité ou FeOH2. Voilà, il y a la formule, il y a le précipité. Écrivez l'équation chimique. Donc, l'équation chimique, il y a maintenant le fer 2 plus 2OH moins FeOH2. Donc, Salim a laissé la solution à l'air libre. Il revient quelques jours plus tard. Il prélève à nouveau un peu de solution et ajoute quelques gouttes de soude. Et il observe l'heure d'un précipité de couleur rouille. Donc, quel ion a-t-il mis en évidence lors du deuxième ajout de le soude? Donc, l'ion de fer 3. L'ion de fer, l'ion fer 3. Donc, l'ion ferrique. La formule d'Yalo, où il y a Fe3+, l'ion ferrique. Écrivez la formule chimique du précipité de couleur rouille. Donc, on a le FeOH, donc 2. Quelle est la transformation, ou bien quelle transformation ont subi
les ayant FE2+, après quelques jours, passer à l'air libre. Donc, je nous parlais, hein. Donc, bien sûr, les cations ferro FE2+, donc, il y a les cations ferreux FE2+, et oxydés, exodo, mais avec la sud ou l'air libre en cation. L'air libre ou l'humidité, la reliée le fer, en cation ferrique FE3+. Donc ferrique 3, FE3+, FE3+. Donc voilà, les réponses concernant le namo de Jadan. Je vous remercie pour la vidéo. D'aïman à la nafs al-qanat, kounou fil mou'id, ila liqa.